12 façons de se débarrasser d'une toux en 5 minutes. Il y a peu de choses dans la vie qui soient plus ennuyeuses qu'une toux pénible qui ne veut pas disparaître. Il peut s'agir d'un simple chatouillement dans la gorge ou d'une toux persistante après un rhume. Quelle que soit l'ancienneté de la toux, la gêne occasionnée peut vous amener à vous demander et à chercher en ligne comment se débarrasser d'une toux en 5 minutes. Mais pour être honnête, la toux n'est pas toujours mauvaise. La toux est un réflexe qui protège nos voies respiratoires et nos poumons. Contre les irritants tels que la poussière, les germes et le mucus. Et une toux occasionnelle est tout à fait normale. Cela dit, la toux n'est pas nécessairement quelque chose que l'on doit ignorer. La toux a de nombreuses causes, allant d'une maladie virale courante à l'asthme, ou aux allergies saisonnières, en passant par des problèmes de santé plus importants, tels que les maladies pulmonaires chroniques, l'insuffisance cardiaque congestive, ou même le cancer. Or, certaines personnes peuvent développer une toux après avoir été infectées par le Covid-19. Une toux de COVID-19 est sèche et persistante. Elle est généralement accompagnée d'autres symptômes, tels que des douleurs thoraciques, de la fatigue, des maux de tête et un essoufflement. Certains médicaments peuvent également être en cause. Les déclencheurs environnementaux comme la poussière, les moisissures ou d'autres polluants peuvent également être un facteur contributif, que ce soit par une irritation pulmonaire ou un écoulement post-nasal. Le reflux acide est un autre déclencheur potentiel. Étant donné qu'une toux peut être le signe d'une maladie ou totalement inoffensive, quand faut-il consulter un médecin? Lorsqu'une toux est présente pendant plus de deux semaines, il est raisonnable de contacter un prestataire de soins de santé pour des tests supplémentaires ou des recommandations. En attendant, si vous venez de commencer à tousser, vous pouvez essayer d'apaiser votre gorge avec ces remèdes. Nous mettrons les références de tous les médecins et experts dans la description de cette vidéo. Numéro 1 Se gargariser avec de l'eau salée. L'eau salée est un moyen simple de soulager la toux. Elle peut aider à réduire la durée d'une toux. Bien que cela puisse piquer un peu au début, cette solution est efficace pour tuer les bactéries, détacher le mucus et diminuer la douleur. Pour en faire un à la maison, mélangez une demi-cuillère à café de sel de table avec 8 onces d'eau chaude. Numéro 2. Siroter un thé au gingembre. Le gingembre est bien connu pour sa capacité à calmer les maux d'estomac. Il s'avère qu'il peut également faire des merveilles pour la toux. Le gingembre s'est révélé utile pour réduire la toux et soulager les maux de gorge, et les pastilles au gingembre sont largement utilisées à cette fin. La racine a également des propriétés anti-inflammatoires et antioxydantes qui sont bénéfiques pour traiter une variété de conditions. Préparez un thé au gingembre en utilisant un sachet ou en versant de l'eau chaude sur des tranches fraîches. Numéro 3. Prenez des médicaments contre les brûlures d'estomac. Pepsides. Prilosec ou d'autres antiacides peuvent soulager les reflux acides et supprimer tout tout associé, si vous trouvez que c'est un problème chronique, certains changements alimentaires peuvent vous aider, comme éviter les agrumes, le chocolat, les aliments riches en graisse, les oignons et les produits alimentaires à base de tomates, et incorporer des aliments riches en fibres dans votre alimentation, comme le riz brun, le céleri, la laitue, le melon, les flocons d'avoine et les légumes racines. Si votre tout est dû à un reflux, vous pouvez également boire beaucoup d'eau et limiter vos portions au repas. Numéro 4. Ajoutez du miel à vos boissons. Vous toussez, mais vous avez aussi envie de quelque chose de sucré? Vous avez de la chance. Le miel s'est avéré utile pour soulager la toux, seul ou dans une tasse de thé. Il peut également atténuer la douleur et aider à combattre les infections virales. Il suffit d'ajouter deux cuillères à soupe de miel à une tasse d'eau chaude ou de thé chaud pour profiter de ses bienfaits. Numéro 5. Prenez un bain ou une douche chaude. En plus de vous aider à déstresser après une longue journée, un bain chaud peut soulager les symptômes du rhume, comme la congestion, la toux et la pression des sinus. Cela est dû à l'humidité de la vapeur, qui est idéale pour ouvrir les sinus et fluidifier le mucus. Vous pouvez aussi essayer un humidificateur, qui ajoute de l'humidité à l'air ambiant et peut faire la même chose. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, et si vous aimez cette vidéo, n'hésitez pas à nous encourager en mettant un like et activer la cloche des notifications. Numéro 6. Hydratez-vous. L'hydratation est importante à tout moment, mais elle peut être particulièrement cruciale lorsque vous toussez. Rester bien hydraté peut aider à fluidifier le mucus à l'arrière de la gorge, ce qui peut entraîner une légère amélioration de la toux. Numéro 7. Prenez une pastille. Un autre remède maison rapide et facile pour stopper la toux dans son élan. Une pastille ou un bonbon dur en sucer une peut stimuler la production de salive, ce qui augmente les sécrétions dans la bouche et peut à son tour atténuer la toux. Numéro 8. Essayez un spray nasal. Si votre toux est due à des allergies, essayez Flonase ou Nasonex en association avec un comprimé quotidien contre les allergies comme Algras, Claritin ou Zyrtec. Le traitement des symptômes d'allergie est une méthode courante pour résoudre l'écoulement post-nasal et la toux qui en découle. Cela est particulièrement vrai lorsque la toux est plus apparente en position couchée ou au petit matin. Qu'une toux peut être saisonnière ou se manifester toute l'année, donc prêtez attention au moment où elle se manifeste, vous permettra de la prévoir et de la prévenir. Numéro 9. Utilisez un pot neti. Pour apprivoiser une toux causée par un écoulement post-nasal, les médecins suggèrent d'utiliser un pot de netti, qui permet d'éliminer les débris ou le mucus de vos voies nasales. L'élimination du mucus des voies nasales peut être utile pour réduire l'écoulement post-nasal, améliorant ainsi la toux. Ce dispositif d'irrigation permet de soulager les personnes souffrant d'allergies et d'infections des sinus. Numéro 10. Prenez des médicaments contre la toux. Bien sûr, vous pouvez aussi essayer les médicaments en vente libre, surtout si vous avez déjà essayé tout le reste. Les antitussifs sont des suppresseurs de toux et peuvent bloquer le réflexe de la toux. Il y a ensuite les expectorants qui fluidifient le mucus et peuvent vous aider à l'expulser de vos voies respiratoires par la toux. En cas de doute, demandez à votre pharmacien ou à votre médecin traitant et n'oubliez pas de vérifier les dates d'expiration. Numéro 11. Probiotiques. Les probiotiques peuvent favoriser une bonne santé intestinale, mais les médecins affirment qu'ils ont également un impact marginal sur la prévention du rhume et la réduction de la toux. Les yogourts et les aliments fermentés comme le miso et le quinchi sont d'excellentes sources de probiotiques. Numéro 12. Arrêter de fumer. En minimisant l'exposition aux produits chimiques et aux irritants, qui sont nocifs pour les poumons, selon les médecins, arrêter de fumer peut réduire l'inflammation. L'atout causé par le tabagisme peut être progressive en fonction de la quantité de tabac consommé et de l'ancienneté du tabagisme.